Allez, on parle des cambriolages à présent sur Boursorama et on vous dit surtout comment bien se protéger pendant vos vacances. Eh bien, oui, on est en pleine période estivale et sans vouloir vous stresser, êtes-vous sûr, êtes-vous certain que votre logement n'est pas en ce moment en train d'être visité Quelques conseils avec Émile Chaussier. Bonjour, Bonjour Émilie. Hein. Bon, c'est bien connu, on dit qu'en général, c'est l'été, hein, c'est en mois de, de juin, juillet, août, que bah, ce sont les périodes qui sont propices au cambriolage, on ne va pas se mentir. Eh hein, oui, David, vous avez raison. D'ailleurs, selon l'Observatoire de la Délinquance et des Réponses Pénales, les vacances sont particulièrement prisées des, des cambrioleurs, surtout à Noël et pendant les grandes vacances, bien sûr. Alors, selon cet observatoire, les mardis, jeudis et vendredis sont les jours favoris des malfrats, qui préfèrent sévir entre 10h et 15h. Il faut savoir que plus la surface est grande, plus le risque est élevé. Il est de 20% pour les habitations de 100 mètres carrés. Il passe à 40% pour les habitations de plus de 150 mètres carrés. Et puis la présence d'un gardien fait reculer la probabilité de se faire cambrioler de 30%. Celle d'une alarme de 22%. Et le digicode lui fait diminuer le risque de 15%. Bon, le mieux c'est de cumuler tout ça. Donc c'est bien le code, euh, l'alarme, le gardien. C'est pas mal. Mais est-ce qu'il existe aussi peut-être d'autres solutions quand on part en vacances existe... Quand on va partir sereinement Oui, Alors, il existe un dispositif qui existe depuis de nombreuses années, mais qui n'est pas très connu euh, du grand public, en tout cas moi je ne connaissais pas, c'est l'opération Tranquillité Vacances. Alors le principe est simple, des patrouilles de police et de gendarmerie, de gendarmerie pardon, viennent chez vous gratuitement, de jour euh, comme de nuit, la semaine comme le week-end pour vérifier bien que vous n'êtes pas euh, victime d'un cambriolage. C'est donc bah, rassurant quand on part. Et puis surtout, surtout c'est gratuit. Génial, très bien, très bien, très bien pour s'inscrire, comment ça se passe. Alors rien de plus simple, David. Il suffit de vous rendre à votre commissariat ou à la gendarmerie la plus proche de chez vous. Vous remplissez un petit formulaire de demande individuelle, vous y joignez votre pièce d'identité, un justificatif de domicile, le tour est joué. Et puis d'ailleurs, dans certains départements, vous pouvez même directement aller sur Internet, hein, sur le site servicepublic.fr. Alors attention, si vous êtes parisien, la, la demande doit se faire au plus tard. 5 jours avant votre départ. En province, il suffit de s'y prendre bah, 48 heures à l'avance. Bon, quelques derniers petits conseils pour la route. Alors, des astuces toutes bêtes, mais on n'y pense pas forcément quand on part en vacances. Euh, veillez, bah, par exemple, à ne pas laisser votre courrier trop longtemps dans la boîte aux lettres. Ah. Ça, attire vraiment des... enfin, ça peut attirer l'œil des personnes malveillantes. Puis, bien sûr, ne laissez pas des, des, des sommes d'argent importantes chez vous des bijoux. Et, et pensez bien à, à fermer volets et fenêtres. Euh, une petite, euh, petite dernière devinette pour la oui. route, David. Est-ce que vous savez quels sont les, les, les objets qui sont les plus cambriolés ceux qui Les ont le plus bijoux. De oui, oui, oui. Alors évidemment, en premier, ce sont les bijoux. En deuxième, ce sont les matériels informatiques. Les véhicules, eux, euh, commencent à être un peu en part des vitesse. Les voitures. Et, voilà, les véhicules, les voitures. En revanche, les, les malfrats repartent souvent avec de la nourriture, et ça, c'est une tendance assez nouvelle. C'est un signe d'être en repart avec voilà. de la nourriture. En tout cas, voilà, s'agissant donc des cambriolages, il y a ce, ce moyen de passer par la gendarmerie, la police, et en plus. L'opération Tranquillité vacances 2017. Et c'est gratuit. Voilà, voilà. merci Mili pour cette conseil. Bonne